shut. Watch this record pop. Bitches going off with lightning. Ain't nothing gonna stop this boy. Ain't nothing gonna stop me now. Ain't nothing gonna stop this boy. Ain't nothing gonna stop me now. Salut les gars, c'est Fanjo, j'espère que vous allez tous très bien et je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter du DLC Hipster Toi-même 2 et plus particulièrement des voitures que l'on pourrait avoir dans cette deuxième partie de ce DLC qui sera dispo à partir du mardi 12 décembre, donc dans deux semaines au moment où je poste cette vidéo. Et je suis désolé encore si je parle dans mon nez, mais j'ai toujours la crève. C'est une vidéo que j'avais prévu de publier ce week-end, mais comme je vous dis, j'étais vachement malade et comme maintenant ça va un peu mieux, j'ai décidé de vous la faire. Et juste avant les gars, un petit coup de gueule et je vous explique directement pourquoi. Bien, dans le genre de vidéo que je vous propose aujourd'hui, je me mouille et je prends des risques, mais j'assume et je prends mes responsabilités. Quand je vous dis par exemple que ce DLC sortira ce mardi 12 décembre, si je suis assez affirmatif, c'est que j'ai fait pas mal de recherches à ce sujet, et même si parfois je me réfère à certaines sources, je vais pas vous faire 5 vidéos pour vous redire la même chose, en disant que c'est un tel ou un tel qui l'a dit pour me couvrir au cas où. Et ce petit coup de gueule, c'est justement par rapport à GTA Expert, enfin je dirais même pour GTA Expert, qui en général donne de bonnes infos et chez qui je vais de temps en temps, je ne le cache pas, voir ses nouveautés, et même si je le connais pas perso, c'est le seul qui en ce moment ose se mouiller et propose des éventualités pour ce DLC Hipster 2. Et d'ailleurs, beaucoup l'utilisaient auparavant comme référence pour faire leurs vidéos, et depuis qu'il s'est trompé dans certaines dates et infos pour ce dernier DLC passé, donc il se fait boot dislike. Et même si ses dernières vidéos sont un peu moins bien, bon je l'avoue, ces dernières semaines, car il est vraiment très difficile d'avoir des infos qui fuitent de chez Rockstar, on dirait vraiment qu'ils ont tout cadenassé pour que rien ne s'échappe, ben voilà, je voulais vraiment le citer dans cette vidéo, et au moins lui il a les couilles de prendre des risques dans ses propositions pour l'avenir de GTA V, donc moi j'irais simplement GG GTA Expert, et je trouve ça vraiment dommage que les gens retourneront chez lui quand il y aura de nouvelles, entre guillemets, vraies infos, mais bon, moi je suis toujours derrière lui, donc je lui dis GG et continue comme ça. Et donc voilà, maintenant on va en revenir donc à cette vidéo où je vais vous proposer 5 véhicules. Je précise, quand je donne des infos officielles de Rockstar, je le précise, et quand ce sont des infos ou des probabilités, je le dis également. Donc ici, ce sera probablement des véhicules que l'on aura dans ce futur DLC, et tout ça c'est par rapport à des recherches que j'ai fait dans des forums, etc. Beaucoup disent, même GTA Expert, c'est vrai qu'ils faisaient des propositions, bon, avec énormément de véhicules, etc., qui ne paraîtront certainement pas, mais donc ici, par rapport aux différents forums, aux différents dialogues, etc., etc., il y a quand même quelques voitures qui en ressortent. Et donc ici, j'en ai sélectionné 5. J'en ai encore d'autres, mais donc pour cette vidéo, on va se baser sur ces 5 véhicules. Voilà, donc on a pu voir en premier comme véhicule, c'était une Renault 5 Turbo des années 1980. Donc c'était une Renault façon style rallye, qui est vraiment une super voiture française d'ailleurs. Et donc le deuxième véhicule qui était vraiment là, magnifique, c'était une Shelby Cobra des années 1965. Et donc maintenant, celle qu'on peut découvrir ici, c'est une Mini Cooper, mais disons qu'auparavant, enfin maintenant on les appelle des Mini Cooper, mais auparavant c'était des Mini Morris, et les toutes premières dataient de 1959. Oui, et d'ailleurs pourquoi tous ces véhicules ressortent? Donc bien évidemment parce que les hipsters ont vu le jour dans les années 1940, ça il faut le savoir, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de véhicules de ces années-là qui sont repris. Voilà, et maintenant une voiture qui revient pas mal dans les dialogues de forums, etc., c'est la voiture DeLorean, qui est donc la voiture, comme tout le monde le sait, hein, de Retour vers le futur 2. Et donc ça, c'est un véhicule qui revient assez souvent dans les dialogues, dans les forums, etc. Pour le très peu de youtubeurs qui ont parlé des véhicules, elle revient assez souvent. Et donc c'est une voiture qui est vraiment assez sympa, pourquoi pas. Maintenant on a vu l'oppressor, on a vu des véhicules de ce genre là. Bon, ici on peut l'avoir de base, hein. Donc maintenant à savoir si on l'aura de base, mais à mon avis on pourra la transformer. Et on peut certainement imaginer qu'on pourra voler avec. Donc par rapport à ce DLC Hipster, moi je peux vous faire des vidéos, mais tout dépend maintenant quand la bande annonce sortira, la bande annonce officielle de Rockstar. Donc je peux éventuellement même vous faire encore des vidéos par rapport au prix de ce DLC, par rapport aux différents vêtements, par rapport, parce qu'on aura certainement aussi de nouvelles coiffures. Donc il faut bien s'imaginer que les hipsters, donc vous voyez bien, c'est le style de Baba Cool des années 40, qui avait de longues moustaches un peu torsadées, des longues barbes, qui reviennent d'ailleurs très fort à la mode en ce moment.
Et voilà, donc on aura pas mal de nouvelles coiffures, des nouveaux vêtements aussi assez spéciaux. Là, elle est vraiment pas mal, hein. Donc ça, c'est un rat road. Certains diront peut-être hot road, mais là, moi, je dirais que c'est plutôt un rat road. La simple différence entre les deux véhicules, c'est que hot road est vraiment basé sur l'esthétique du véhicule, tandis qu'un rat road, c'est vraiment sur la performance, sur le moteur du véhicule. Donc je dirais que c'est un peu un mix des deux. Et donc ça, ça revient aussi assez régulièrement, comme quoi il y aurait certainement un rat road ou un hot road qui pourrait tout à fait ressembler à celui que je vous propose ici, que je trouve assez magnifique d'ailleurs. Il y aura également de nouveaux véhicules performants. Il n'y aura pas que des véhicules de ces années-là, des super sportives, etc. Et ça, j'en ai quelques-unes que j'ai mises de côté. Donc éventuellement, si j'ai le temps avant la sortie de ce DLC, je pourrais peut-être vous les proposer. Je trouve vraiment magnifique ce véhicule. Franchement, il est vraiment très réussi. Et donc voilà, déjà, par rapport aux 5 véhicules que j'ai sélectionnés qui pourraient être, je le mets bien au conditionnel, qui pourraient être dans le futur DLC Hipster Toi-même 2, il y aura, comme je le disais, certainement aussi des super sportifs, des sportifs, peut-être même des motos. Donc bien évidemment, par rapport à ce DLC, on sait qu'il y aura également des propriétés. Maintenant, que ce soit des propriétés style appartement avec garage ou des propriétés pour faire de la contrebande, ça, je vous en parlerai certainement un peu plus tard. Je vous le dis aussi, hein, tout dépend par rapport à la sortie officielle de la bande-annonce. Mais en tout cas, donc voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on va en rester là. En tout cas, par rapport à cette proposition, et j'ai vraiment voulu vous montrer de belles images de ces véhicules, et donc bien évidemment sur la map de GTA V. Enfin voilà, si cette vidéo vous a plu, merci en tout cas de laisser le petit pouce en l'air qui me fait, comme vous le savez, toujours extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas non plus à me laisser un petit commentaire pour donner votre opinion par rapport à ces véhicules. C'est ATFanjo qui vous dit merci d'être là et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !Bow to the king. Bow to the king.